Bon, j'ai réouvert, enfin, j'ai re-séparé des multiplicateurs et boîtes pour regarder l'aiguille manquante. Et je vais voir par curiosité s'il y a la place de la mettre, mais de toute façon, je vais tout reculer pour remettre de la pâte à joint propre. C'est juste pour voir si ça rentre. Là, je lui remets. Elle n'est toujours pas rentrée, il suffit de tirer un peu le démultiplicateur en arrière, je pense. Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas, je vois des aiguilles qui sont tombées en dessous. Ah bon, c'était juste par curiosité. Là, je vais la retirer. Bon, j'ai gratté tout calloctite, ça peut se transformer en ça. Les cales, en fait, il y en a deux. Ça, un ami m'a conseillé. Et après. Ça va tenir. Des multiplicateurs là. Ok. Donc les deux cales de réglage en bas au niveau de l'arme intermédiaire sont un peu retenues avec deux petits points de loctite. Quand vous voulez commencer à refermer, c'est bien d'avoir des très grandes vis. Je me rappelle plus des dimensions, mais c'est peut-être 15 cm. Et une fois que les deux blocs seront plus proches, vous pourrez repasser sur les boulons plus courts définitifs.
Impec. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ça, on le laisse en point mort. Se mettre en vitesse lente. Il refait un joint là, votre trappe de visite. On va tester les vitesses. Donc c'est débrayé avec la sangle. Là j'ai mis au point mort. C'est la première. Là, c'est la seconde. De nouveau point mort. La troisième. La quatrième qui rentre très bien maintenant. Voilà. J'ai oublié de le montrer, mais j'ai aussi testé la marche arrière, bien sûr, qui fonctionne. Donc, faut mettre 3 litres pour la boîte de vitesse, 3 litres pour le démultiplicateur. Seulement à partir de la boîte de vitesse. Donc en ayant mis 3 litres, voilà où en est le niveau. Pas tout mis, on en est là. Et dans le démultiplicateur, c'est un truc qui coule, ça commence à arriver. Ah, on la voit passer là.
Ok. Tourner un petit peu tout ça. Se mettre en première. Juste en faisant tourner la boîte à la main. Ça graisse tout. Donc là en tout doit y avoir 6,2 litres d'huile. Voilà. On voit que ça recouvre la moitié de l'arme intermédiaire de ce côté-là. Ah bah partout en fait. Et la marche arrière. Doit être à gauche. Donc sa fourchette soit alignée avec le cran là-haut. Donc là c'est point mort, débrayé. On a une gamme de vitesse lente enclenchée. Du coup le tambour de frein à main est relié au démultiplicateur. On essaye toutes les vitesses une par une. La première. Et je reconnais son couple qui résiste bien. Nettoyer le couvercle du démultiplicateur. Et retirer le joint, je vais mettre de la pâte à joint directement. Bon, c'est refermé, le démultiplicateur, j'ai mis de la pâte à joint, je ne le rouvrirai pas. La bielle de frein à main est remise. La boîte de vitesse, je la rouvrirai après un essai tournant et aussi après un essai roulant. Le support de droite, il est en train d'être fait, donc je l'attends. Et à gauche. Le ressort qui est mis. C'est sous le côté gauche du tracteur.
C'est une vis de 120. Rondelle. Rondelle. Ressort de 7 cm. Rondelle et double écrou freiné. Tout juste. Le ressort est peut-être un peu grand. Peut-être un peu grand pour le ressort. Il peut être réduit de 24, 32%. Ce qui fait qu'il ne doit pas être en dessous de 4,76 cm. Bon, là, c'est en perspective. Voilà, non, vous êtes à la bonne hauteur. Voilà, il y a de la marge. S'il avait été là, ça aurait été trop. Mais bon. Donc, commande du différentiel pour pas qu'elle se balade, même si elle est inutilisable. Bouché. La goupille est un peu grande, mais au moins elle est solide.